Edouard arrive au haras de la Courlais pour sa première saison de monte. Il appartient à son éleveur Louis Baudron en association avec Nicolas Bertrand de Balanda. Donc là, le cheval est en cours de syndication, donc il y a des parts à vendre du cheval. Alors donc King Edward, tout d'abord son pedigree, donc c'est un fils de Martaline, meilleur père des gagnants en obstacle en 2020, 2018 et 2017, et sa mère Côte Gary, donc de la souche de Montesson, une très bonne souche car elle a produit 29 Black Type en obstacle depuis sa quatrième mère, quoi. Donc, en plus de son pédigré, King Edward aussi a des performances pour lui. Donc, c'est un cheval qui est assez précoce, qui a couru du coup dès le printemps de ses 3 ans. Il est second du prix d'essai à Compiègne. Et par la suite, à 4 ans, il est gagnant de groupe 3 du prix du Donjou sous les haies à Auteuil. Donc, voilà. En ce qui concerne le cheval en lui-même, c'est un très beau cheval qui est en train de se faire gentiment étalon car il sort de l'entraînement il y a peu de temps. Il marche très très bien, il a des bons pieds, de l'os et des très bons tissus. Donc nous sommes très contents de l'avoir chez nous dans l'Ouest. Pour l'instant, c'est une nouvelle toute neuve, mais les éleveurs répondent à ses présences, surtout qu'il a un très bon rapport qualité-prix pour son pédigré et ses performances. Et qu'à 2000 euros hors taxe, poulain vivant, donc je pense qu'il va attirer pas mal de monde pour sa première saison de monte au Haras de la Courlais. The astrological soul train getting down.